Dans l'actualité locale, aujourd'hui, nous mettons en lumière un jeune artiste, Emmanuel Douache, 14 ans. Il s'est découvert une passion, la chanson. Emmanuel Douache a été découvert en août 2016 lors d'un petit tour de chant improvisé. Et Xavier Pinte qui décide alors de devenir son manager. Après quelques mois de travail, un premier spectacle a été organisé. C'était le 8 octobre dernier à Mariembourg. Petit récit de la révélation de ce jeune talent avec son manager, Xavier Pinte. Je suis éducateur et je travaille comme éducateur dans une école, dans l'école d'Emmanuel. J'ai connu Emmanuel là-bas. Ensuite, il est revenu quelques mois plus tard. Par hasard, je l'ai entendu chanter dans un autre endroit qui n'avait rien à voir avec l'école. J'ai entendu sa voix, ça m'a fait craquer, j'ai proposé à ses parents de le suivre et j'ai suivi. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit déjà essayer de le motiver, de lui faire garder sa motivation et surtout de le laisser évoluer à son rythme sans vouloir aller trop vite. Il y a une soirée qui est organisée le 6 janvier prochain. Emmanuel a pu se produire le 8 octobre dernier à Mariembourg, juste avant Claudio Picarella, qui est un autre chanteur. Il a pu se produire pendant une demi-heure, on a trouvé ça super chouette, il a eu envie de donner son spectacle, de se faire connaître, et pour se faire connaître, on a décidé d'organiser un show de plus d'une heure, où il pourra montrer un peu ce qu'il sait faire à tout le monde. On ne va pas en dire de trop, parce que c'est une soirée qui sera un petit peu surprise aussi. Le 6 janvier sera la salle communale de Douache. Emmanuel se produira à partir de 20h, et on aura l'occasion de l'entendre chanter du Bruel, du Piaf, du Renaud, du Louane, et d'autres que je ne citerai pas, parce qu'il faut laisser quand même l'effet de surprise. Emmanuel Douache, 14 ans, qui souhaite devenir menuisier de profession et chanteur par passion, un autodidacte qui nous dit quelques mots. Bah, j'ai commencé réellement à chanter, ça fait au moins un an. J'avais regardé le film La Môme, et La Môme, bah, ça m'a fait pousser à chanter. J'écoutais de la musique, et après, bah, j'ai essayé de faire comme les chanteurs, et puis j'ai chanté. Je chante un peu tout, mais ouais, il y a des artistes que je chante. Par exemple, il y a Edith Piaf, il y a Louane, il y a plein d'artistes en fait. Renaud. Je trouvais que je chantais assez bien, mais j'aime pas mon ton personnellement chanter. Ça fait bizarre, mais... Emmanuel Douache, que vous pouvez retrouver sur Facebook et sa chaîne YouTube, et qui va d'ailleurs se produire demain soir à la salle communale de Douache. Laisser évoluer Emmanuel à sa façon, c'est le souhait de Xavier Pinte, son manager. Et pourtant, le jeune homme de 14 ans a été sélectionné pour intégrer Top Model Belgium Kids, mais c'est une invitation qu'il a refusée pour se consacrer à la chanson. Écoutez le manager d'Emmanuel Douache, Xavier Pinte. Mais Emmanuel a eu la chance il n'y a pas longtemps d'être sélectionné pour Top Model Kids Belgium. Et il n'a pas voulu y aller en disant « moi je vais me consacrer à ma chanson » parce que ça reste, pour lui la chanson c'est un hobby, c'est un passe-temps. Il ne veut pas en faire son métier, il veut devenir menuisier plus tard. Et il veut continuer à chanter pour son plaisir personnel. Et ça je soutiens ça parce que on ne peut pas non plus faire un métier de la chanson. Si on arrive au-dessus de l'affiche, on est au-dessus de l'affiche. Mais si on n'y arrive pas, on doit garder quand même la motivation de la chanson. On a un ami qui s'appelle Johnny Cadia qui nous a proposé d'enregistrer dans son studio. C'est un projet de créer le CD. Maintenant, est-ce qu'on va essayer de monter le CD pour, l'envoyer dans les maisons de disques ou quoi? Ou est-ce qu'on va y aller progressivement? On verra bien. On verra comment ça évolue. On va laisser évoluer les choses à leur façon. On peut retrouver Emmanuel sur sa page Facebook, au nom d'Emmanuel Douache. Il y a aussi une chaîne YouTube où on peut retrouver quelques morceaux de chansons, pas des titres en entier, mais quelques morceaux de chansons où on peut découvrir un peu ce qu'il fait et qui il est réellement. Et il y a un site en création pour le moment. Je relèverai peut-être sur la chanson qui est en train d'être créée. En fait, comme vous le savez, on s'était rencontrés à une époque pour Chai Focus. Oui. Emmanuel est touché par tous ces événements et... est enragé par une éventuelle sortie de Marc Dutroux de prison. Donc cette fameuse chanson est tirée de la musique d'Imagine, John Lennon. Et ce sera un message, en fait, envers la justice. Elle sera déjà chantée le 6 janvier, sur scène. Rendez-vous donc demain, vendredi 6 janvier, dès 20h, à la salle communale de Douache, rue Martin-Sandron, pour découvrir ce jeune talent, Emmanuel Douache, sur scène. Rendez-vous également sur la chaîne YouTube et la page Facebook Emmanuel Douache.